Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester encore des vêtements. Allez, c'est parti! Alors je vais pas tester puisque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le site Bloomchic. C'est un site pour les nanas un peu comme moi, c'est-à-dire ça part, il me semble, du 42 jusqu'au 52, même voire plus. Et ce qui est bien sur ce site, c'est qu'il y a énormément de choix. Parce que parfois, dans les grandes surfaces ou dans les magasins, les grandes tailles, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Ça fait vieillot, ça fait mémère ou c'est noir. Voilà. Et là, sur ce site, il y a vraiment du choix. Et j'ai été très, très surprise parce que moi, j'ai un petit retour du site. Il y a eu énormément de nanas qui ont commandé. Et ce site fonctionne plutôt bien. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et là, il m'a envoyé un petit colis. Un petit qui est très grand. Comme ça. En fait, ce site, avant, il me disait, comme à chaque fois que j'essaye des vêtements, choisis ce que tu veux. Et là, maintenant, je ne choisis pas. Il m'envoie directement un colis surprise. Donc, je découvre en même temps que vous parce que je ne sais pas du tout ce qu'ils m'ont mis dedans. Donc, voilà, il y a le site. Je le dis pour celles qui viennent d'arriver. C'est un très bon site. C'est des vêtements de qualité. Donc, en taille américaine, ils disent que ça commence au 10 et ça finit au 30. Hein. C'est ce que je vous expliquais. Ouais, ça va du 42 jusqu'à je ne sais pas quelle taille. Il y a des très, très grandes tailles. Donc, le premier article... Je découvre avec vous, c'est un... Oh, alors, par contre, est-ce qu'ils m'ont mis... J'avais demandé du 12, ce qui correspondait à du 44, il me semble, ou 42, plutôt 42. Là, c'est du 14, ça correspond à du 44-46. Alors, je pense que... Je sais pas, à chaque fois, ils m'envoient du 14 et pas du 12. Bon, je pense que le haut, ça ira. Je sais pas. Bon, on va essayer. Si c'est trop grand, tant pis. En tout cas, le premier petit haut est sympa. Il fait très automnal, voilà, couleur un peu comme ça, marron, orange... Très joli, avec un petit col. Donc là, c'est le premier haut. Je vais l'essayer. Donc voilà pour le haut. Et ben écoutez, en 44, je me sens très très bien dedans. C'est ce que je vous expliquais, vu que j'ai encore du bide et tout. Ça descend un petit peu en dessous. Je pense que peut-être le 42, ça aurait été aussi. La matière est très fluide, légère. Moi, j'adore ce col-là. On a voilà, les petits froufrous sur les épaules. Et au niveau du bas, il est comme ça. Donc moi, c'est vraiment ce que je peux porter. Tu mets ça avec une petite veste en simili-cuir ou en cuir. Ça fait très habillé, tu peux aller travailler avec. Ça peut habiller pour aller au travail ou pour la vie de tous les jours. Donc ce petit haut, je valide. Ensuite, en deuxième, donc je pense qu'ils m'ont mis que du 44-46. Je pense ça. C'est quoi? Oh, ils m'ont mis une robe de soirée. Elle est trop belle, comme ça, verte. Voilà. Donc je vous redis pas, mais je vais recontrôler. Mais je pense que c'est pareil, c'est du 44-46. Allez, j'essaye. Alors, pour la robe, voilà. Elle est un petit peu trop grande aussi. Elle devrait serrer un peu plus au niveau des bras. Et ça baille un peu au niveau là parce que bah, il manque une taille en dessous, quoi. Sinon, elle est bien. Elle est doublée. Il y a un jupon en dessous. Voilà, elle est trop canon. Je sais, avec les chaussettes, c'est tellement glamour. Je vais vous montrer. Il y a le jupon en dessous qui arrive là. Elle est comme ça. Donc, si vous cherchez une robe pour Noël, nouvelle année... et que vous ne trouvez pas dans votre taille, n'hésitez pas à aller voir sur ce site, hein, il y en a plein. Il y a celle-ci, je suis sûre que celle-ci, elle doit exister en plus en d'autres couleurs. Alors, elle est très belle, c'est juste elle est un petit peu trop grande, mais je pense que je vais vous le dire dans toute la vidéo, sinon elle est très très jolie. Ensuite, j'ai... Pareil, j'ouvre, tout est bien emballé, ça pue pas, j'ai jamais eu aucun souci avec ce site. Alors là, ils m'ont mis... C'est une robe, je découvre. Hein. Par contre, elle est bien bordeaux. Là, elle a un reflet un peu rouge, mais elle est bordeaux. Là, elle ne ressort pas vraiment. Donc, on a de la dentelle sur les bras. Et elle est très longue. Et on a la petite ficelle. Allez, je vais essayer. Donc là, j'ai mis celle-ci. Pareil, on a les bras en dentelle. Donc, hop, tu peux les monter, voilà, comme ça. J'ai rajouté le petit collier en accessoire. Donc, il y a pas mal d'accessoires sur le site. Celle-ci, j'ai laissé la ceinture. Tu peux la mettre devant ou dans le dos, je pense. Je l'ai mise comme ça. Alors, je suis très bien dedans. C'est pareil, on a toujours un système avec un bouton ici pour pas qu'on voit toute ta poitrine, quoi. C'est bien étudié, on va dire. Au niveau du bas de la robe, elle est comme ça. Voilà, je fais 1m70, ça je tiens à le dire. Voilà, sans talon. Très jolie, pareil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais celle-ci plutôt sympa aussi. Franchement, j'aime bien. Et on est très très bien dedans. C'est vraiment de la qualité au niveau matière. C'est épais. Donc voilà, celle-ci, elle est trop canon. Ensuite, j'ai ça, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà eu. Je sais pas s'ils m'ont envoyé le même, mais je sais que j'avais commandé chez eux une veste comme ça et je la mets tout le temps. Ah, là, c'est presque la même, mais c'est pas la même. Je sais que beaucoup m'ont dit, ouais, t'avais eu ta chemise. Donc j'avais une chemise longue comme ça, tu mets le matin avec un débardeur, un petit pull.
C'est très tendance. Là, c'est manche, je dirais, trois quarts. C'est une coupe assez spéciale. Je vais vous le montrer porter, c'est mieux. Alors voilà pour cette veste, je pense qu'on peut appeler ça une veste. Regardez la coupe qu'elle a. Elle est longue sur les côtés. Elle est trop canon. On a des poches, ça c'est trop bien. Alors ça, tu mets un petit jean, même une petite paire de baskets, voilà, ça passe partout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment très très jolie. J'avais le même, et je pensais que c'était des manches trois quarts, mais non, pas du tout, c'est des vraiment. J'ai la même en chemise normale, basique, mais celle-ci, voilà. Oh là là, elle est trop canon. Elle est un petit peu trop grande aussi pour moi, mais je vais vous faire voir un peu comment ça se passe au niveau là. Voilà, c'est vraiment très très grand. Mais vu que je peux tricher et mettre la ceinture, tout de suite, voilà, on voit que dalle quoi. Elle est trop trop canon. Vraiment, je pense que c'est de la qualité. Pour moi, sincèrement, parfois je suis mitigée, mais sur ce site, j'ai jamais été mitigée. C'est un très très bon site. Ensuite, je continue. Alors, c'est une robe bleue. Ah, c'est vraiment de la qualité de dingue. Elle est trop belle. Voilà, comme ça. On a de la dentelle aussi au niveau des bras. C'est ce que je vous expliquais. On peut s'habiller avec des produits qui font pas mémère du tout. Les robes sont toutes doublées. Elle est vraiment bleu foncé, mais là, avec la luminosité, ça fait jaune. Désolée, le reflet, l'image n'est pas nette, mais elle est bien bleue. Alors, pour celle-ci, je l'ai accessoirisée avec la ceinture qui m'a été offerte, hein, je tiens à le dire. Les bras, regardez comment c'est beau, il y a de la transparence. Ça baille un peu ici parce que c'est une taille un petit peu trop grande, c'est dommage, hein. Mais vous voyez, ils mettent un point. Donc, je pense que si vous avez une plus grosse poitrine que moi, tu peux laisser ouvert, hein. Donc là, ça baille un peu, dommage. Sinon, elle est très canon. La ceinture bleue est fournie, mais je ne sais pas ce que vous en pensez avec cette ceinture-là. Je trouve que ça rend plutôt bien. Le bas de la robe, il est comme ça. Toujours avec les chaussettes. Donc, c'est plus long derrière, Léna, hein, on dirait. Non? Ouais. Donc, elle est comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, savoir si ça vous plaît, si vous avez déjà commandé sur ce site. En tout cas, celle-ci, elle est très très jolie. Et la couleur, voilà, c'est une robe qui passe partout, quoi. Après, j'ai encore un truc. Là, je sais pas c'est quoi. Hein. Ah, un pantalon. Ah, j'ai toujours peur des pantalons. Pareil, c'est un 44. J'ai peur que ça soit un peu grand, 44. J'ai du bide, donc ouais, peut-être là, mais des cuisses. En plus, franchement, j'en ai plus de jeans. Et les jeans là-dessus, j'avais testé une fois en vidéo que des jeans. C'est la qualité de dingue. Ils sont extensibles et surtout on est très à l'aise dedans. Donc je vais l'essayer, mais ça je vous promets rien. J'espère que ce soit un peu grand. Donc là pour le pantalon, je l'ai mis, mais il est trop grand, il tombe. Ouais, mais il est trop grand. Ouais, il est beau, hein, mais je savais que le 44-46 en pantalon, c'est un peu grand, quoi. Donc il est comme ça. Mais ici, ça flotte. Là, et bon, j'en parle pas de la taille parce que ça descend en fait. Hein, il glisse. Voilà. Sinon, la coupe est bien et on est très bien dedans. Franchement, super bien. Mais c'est juste, voilà, moi il est une taille au-dessus, je pense. C'est juste la taille, sinon il est trop canon. Ils m'ont fourni un petit bijou qui est plutôt sympa. Alors, si je me trompe pas, parce que j'en ai déjà eu, c'est un collier qui fait plusieurs colliers en un en fait. Regardez, on a une petite rose. Il est trop trop joli. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En fait, j'aime bien tester aussi des sites pour les femmes un peu plus pulpeuses. Pourquoi? Parce que c'est galère ou c'est très très cher. Et là, ce site vaut vraiment le coup. Et je sais que beaucoup m'ont fait confiance parce que pas mal ont passé commande. Donc c'est que c'est un très bon site. C'est que les gens ont vraiment validé ce site. Le problème, c'est que là, en ce moment, je fais un rééquilibrage alimentaire, je fais du sport. Donc si je continue à maigrir à descendre aux 40, je pourrais même plus essayer ce site. En fait, ça sera trop trop grand. Je vais vous dire sincèrement, j'ai déjà fait au maximum pour 1m70, 85 kilos. Je suis montée au 44, après là je redescends à peu près au 42, mais je fais plus du 42-44 que du 44-46. Vous voyez, il y a une taille au-dessus à chaque fois dans les vêtements, donc pour l'instant je peux, mais je sais pas, à chaque fois je leur demande de la taille 12 américaine, ils m'envoient de la taille 14. Bon, bah, c'est rien. En tout cas, il y a des choses que je peux mettre quand même. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un essayage ou autre chose. Et d'ici là, prenez soin de vous, ciao!